Oh, oh non, je l'ai mis sur mon canapé. Là, ça se voit pas, mais il est bien dur. Faut éviter de se faire convoquer. Après, ça finit. Bah, tu finis sur YouTube. Bon, bah, on commence. Hein. Bah, non, en fait, parce que j'ai pas d'intro. Salut, on va faire un fondant au chocolat à 2h du matin et vous allez regarder ça. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les deux ploucs que vous voyez ici vont vous faire une recette de leur fondant au chocolat à 2h du matin en vous racontant nos pires anecdotes du collège. Par contre, j'ai pas la recette du fondant au chocolat. C'est pas grave, on va improviser. C'est jusqu'à ce que vous pensez que c'est bon quoi. Là ça me paraît pas mal. Encore un peu. Les meilleures recettes, elles ont toujours été faites par accident. Maintenant, faut pas commencer par le sucre, tu vas faire du caramel. Parfois, on commence comme ingrédient. Il faut mettre du beurre et faire fondre le chocolat avec. Je sais pas combien ça va faire en grammes et je sais pas combien de grammes il faut mettre. Tu vas voir combien il est le grammage ça. 510. 510, ça doit faire 100 grammes. Ouais. On va ouais. Ouais. Faut que ça soit bien gras les fondants. Si ouais. Bon. Moi, ça me rappelle. Une anecdote, je pense que tout le monde a un peu fait ça dans sa jeunesse, à voler. À la cantine. À la cantine. Je faisais ça aussi, je te jure. Et du coup, on prenait les desserts, mais pas pour les manger au final en fait. Nous, on s'amusait à monter au troisième étage de notre bâtiment et à les jeter par la fenêtre pour qu'ils tombent sur les voitures. Non. Tu vas me dire, c'est complètement débile, mais en fait, quand on est au collège, bah, on est débile. On met une ou deux tablettes de chocolat. Les deux. On va faire un truc très. Très. Très chocolat. Ouais, très chocolat. Très gras, très sucre, très bouton vibe. T'étais quoi comme élève? Moi, ouais. Franchement, je suis l'élève qui était bon mais sans plus. Et pas mauvais mais sans plus. Genre moyen. Genre 12. 12 de moyenne. 12 de moyenne. Genre l'élève qui se retrouve avec bavard dans son bulletin. Mais c'est l'enfant sage quand même. Ouais, je suis pas là à faire des conneries non plus. Je me suis jamais fait convoquer. Moi je faisais que des bêtises. Tu t'es déjà fait convoquer beaucoup. Oui, mais j'en suis pas fière, c'est pas bien. Faut éviter de se faire convoquer. Après ça finit. Bah tu finis sur YouTube. C'est ce que j'allais dire. Parce que t'as pas de carrière. Ça finit YouTubeur. Bon après on est confinés aussi donc. Bah alors qu'est-ce que tu fais là si on est confinés? Chut, ça faut pas le dire. Il s'est fait têche de son appart hier soir, du coup il est venu chez moi. Je suis à la rue. Bah du coup il est à la rue chez moi. C'est une bonne rue sinon. Ouais ça va, c'est du squat. On fait quoi du coup, on le chauffe? Ouais, alors on revient tout de suite, on va faire fondre le chocolat. Regardez. Matez la transition. Oh, oh non, je l'ai mis sur mon canapé. Vite. Mais putain. Mais quel débile! Ça va, j'ai enregistré! C'est la catastrophe! Mais quelle transition de merde! Bon, vous avez compris, le chocolat il est fondu. Il y a encore quelques petits morceaux, je l'ai pas fait fondre entièrement parce que comme ça chauffe encore, il va finir par fondre. Et si tu le fais trop chauffer, bah il va devenir tout. Dur, non? Ouais. Enfin, genre, ouais. Ouais, ouais. J'ai compris. D'ailleurs, je me demandais, c'est quel niveau de cuisine là? 6, 6. Ouais, 6. On a la flemme de faire à manger, ouais. Franchement. Genre, on aime bien genre manger de la bonne nourriture, mais on a la flemme, tu vois. On a la flemme de le faire. Du coup, on s'est élaboré une catégorie de cuisine qui va de 0 jusqu'à. Jusqu'à l'infini. Ouais, jusqu'à l'infini. Et en fait, explique comment ils sont catégorisés. Genre. Le niveau 0, c'est genre quand t'as la flemme, tu vois, tu manges des bons becs, des gâteaux. Le niveau 1. C'est tu commandes. Voilà, tu commandes. McDo, pizza. Mais tu vas pas le chercher, tu commandes. Voilà, comme ça t'as juste le carton à jeter, tu vois. Niveau 2, tu vas le chercher. Voilà, niveau 2, c'est quand toi tu dois te déplacer pour le chercher. Niveau 3, franchement, c'est des plats, genre du taboulé déjà tout fait que voilà. Tu ouvres, une tranche de jambon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le niveau 3, tu vois. Voilà, c'est tout le paquet, tu manges. Voilà, c'est ça. Niveau 4, une salade de tomates. Ouais, tu dois couper des légumes. Faut bien couper. Niveau 5, c'est des pâtes, ouais. Ouais, ça. Après, c'est... niveau 6, là, c'est la viande, les légumes. Non, enfin, mais ouais. Niveau 5, déjà, les pâtes, c'est quand t'es grave motivé. Ouais, genre les pâtes, parce que ça, il faut faire les carbonara, voilà. Faut faire la casserole, faut faire la poêle avec la sauce. Et après, faut laver. Après, faut c'est laver. Ça le pire. C'est que moi, ça me dérange pas de faire, mais c'est le laver qui me fait.
Ouais, non, mais clairement. Laver. Après, t'as le niveau 6 où genre tu fais de la viande et tout ça. Mais là, c'est quand il y a des invités en fait. Voilà. Et là, on est quand même sur du niveau 7 parce que le chocolat, c'est difficile à faire partir après au lavage. Grave. Donc, c'est quand même du niveau 7. Surtout plutôt à 2h du matin, ouais, franchement, grave. Ça rajoute un level. Niveau 10. Niveau 10. Niveau 10. Franchement, là, on est sur du 10, rien que pour vous. Rien que pour vous, ouais. Mais c'est nous qui allons manger. Donc, abonnez-vous. Hein. Donc, abonnez-vous. Hein. Bref, ce serait trop que les gens ils s'abonnent. Ah ouais? Ouais. Moi, mon rêve, ça serait de faire de l'ASMR. Je te laisse ton moment ASMR. Mets ta face ASMR. Bienvenue dans cette vidéo ASMR. Est-ce que vous entendez bien les bruits? Ça peut peut-être vous entendre. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert l'ASMR, ça fait genre un an, même pas. C'est comme moi le monde de YouTube, j'ai découvert il y a un an. Non, moi YouTube ça fait longtemps, mais l'ASMR franchement ça fait un an. Et il y a plein de gens qui connaissent pas encore aujourd'hui. Et moi ça m'a grave aidé dans les périodes où j'étais stressé ou quoi. Franchement je me mets une petite vidéo à ASMR avec les écouteurs, bien sûr c'est super important. J'ai l'impression que je promue l'ASMR. Je te laisse gérer, je vais chercher ce qu'il faut pour la Ok. Fin. Tu t'occupes bien d'eux. T'inquiète. D'accord. Je vous laisse entre de bonnes mains, normalement. Oh my god. Franchement, là, le chocolat, il a grave fondu. Oh, criminel. Je te laisse 2 minutes et tu fais n'importe quoi. T'es comme les gosses, quand il y a des chocolats sur le sapin. Non, mais franchement. Tu dis, c'est qui a mangé le chocolat? Ils en ont tout plein, ils disent, non, c'est pas moi. Non, mais franchement, c'est grave. Je croyais que t'aimais pas le chocolat noir. Ouais, mais franchement, c'est bon avec le beurre, ça fait du chocolat au lait. Il y a du lait dans du beurre? Bah, franchement, je crois que. Bah oui. Et le chocolat au lait, tu crois qu'ils font comment? Chocolat au lait, ils mettent du lait dans le chocolat. Donc du beurre, c'est un peu comme du lait, donc ils le mettent dans du chocolat, donc ça fait du chocolat au lait. Oula, j'ai rien compris. Là on a fait fondre le chocolat avec du beurre. Franchement je peux pas vous mettre la recette parce qu'on a tout mis à l'œil. Et là on va mettre 2 cuillères à soupe de farine. Juste 2? Ouais. T'es sûre? Ouais, certaine. T'es sûre? Ouais, ouais. Mais c'est des petits... c'est une petite cuillère. Non. Et fais confiance. Viens, on casse les œufs. C'est normal que ta chaise elle est en train de se casser sous moi. Mais t'es trop lourd. Mais je te jure. Mais tu vas continuer cette vidéo debout. Je te jure qu'elle se casse. Non, mais le pied se barre vraiment. Mais à toi, il te manque une vis, meuf. Il manque une vis à ta chaise. En fait, moi j'ai du mal à finir ce que je commence. Non, mais du coup. T'as même pas visé tes chaises. Non. Mais je vis dangereusement. Eh ben, oh putain. Oh, trop bonne la technique. En ce moment, je fais que de regarder des vlogs, des Energy Music Awards, des influenceurs qui sont invités par la marque Boo ou par Studio 71. Studio 71, c'est une agence d'influenceurs. Et en fait, quand t'es un influenceur et que tu te fais inviter aux Energy Music Awards, t'as le choix. Soit tu vas dans la salle de concert, soit tu vas dans les loges. Moi, si un jour je suis invitée, j'aimerais trop aller dans les loges. T'imagines, dans les loges, tu te promènes avec les stars et tout. C'est trop bien. Mais vaut mieux t'inviter au concert, non? Comme ça, t'es avec les stars au concert, non? Bah non, parce que t'es sur les sièges et tu les regardes chanter. Alors que quand t'es dans les loges, bah t'es derrière et tu squattes avec eux en fait quand t'es... En fait je crois que je sais pas ce que c'est les Energy Music Awards. En fait les Energy Music Awards c'est quand ils remettent des prix aux chanteurs. Ah ok, moi je croyais que c'était un truc de youtubeurs, un concours des youtubeurs. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire dans les loges en fait. Non, c'est Soprano, Dajou, c'est tout le monde tu vois. Ah Dajou, Soprano. Qu'est-ce que tu fais? Bah je mélange. Laisse faire l'expert. Mais tu fais comme moi quoi. Sauf de... Il va être grumeleux, croustillant, sucré, chocolaté. Ouais, mais tout. Il sera bon, tu sais pourquoi? Parce qu'il sera fait avec amour. Avec amour à notre manière. Non, mais par contre, il manque vraiment une vis à ta chaise, dégonne pas, tu le savais? Oui. Mais je savais pas que c'était celle-là. Mais je suis choqué, wesh. Bon, ensuite, l'étape du gâteau, la prochaine, c'est quoi? C'est tu verses dans le moule et il est fini. Mais on l'a sucré là. Ah non, on n'a pas mis de sucre. On n'a pas mis de sucre. On n'a pas mis de sucre. On a pas mis de sucre. Là pour la sucre ça va être mes dosages. Tu mets combien normalement? Au pif. Au pif. C'est jusqu'à ce que vous pensez que c'est bon quoi. Là ça me paraît pas mal, non? Encore un peu. Là c'est pas mal. Non. Tu penses que ça suffit? Je sais pas, attendez, on mélange un peu voir. Ouais, je pense que. Ouais, non, je pense que. Le mec il a vidé le paquet. Non, je pense que là c'est bon. Donc ça crumble. Eh, je crois que t'as abusé. Non, franchement, ça va pas, ça. Donc maintenant, on va le mettre dans le moule et on va l'enfourner. Non, enfourner.
moi j'ai un langage très particulier, c'est le langage de Sylvia, tu vois. Genre parfois je vais dire des phrases, ça n'a rien à voir avec la langue française. Mais genre quand c'est pas très français, c'est très Sylvia, dites-vous bien quoi. Du coup pour combien de minutes? Une vingtaine de minutes, mais en fait vous regardez, c'est à l'œil quoi. Et genre là il va être comment dedans? Il va être plus fondant ou plus moelleux? Nous on le veut fondant, non? Ouais. Nous on veut un cœur, tu vois, un cœur qui coule. Ah, voilà, comme le nôtre, il saigne. Il saigne. Il est fermé. Vas-y, écoute. Ouais. En plus, on le fait en forme de cœur. Ouais. C'est pour toi. En fait, ça serait bien que tu racles la casserole pendant que moi je. Ah oui, c'est sûr, parce que là, c'est sûr que je vois bien. Mais oui, regarde. Ça paye, voilà. Tu es un grand enfant. Enfin, un grand enfant. Non, c'est bon, viens, on arrête. On arrête, je te jure, on arrête. Et t'as ouvert une guerre là, genre. Là, t'as ouvert une guerre. Ah, non, arrête. Si, t'as ouvert une guerre. Je me suis lavé les cheveux. Regardez, on va faire un joli sourire à Sylvia. C'est le nouveau rouge à lèvres by Chanel. Viens, approche-toi, on fait la miniature. Mais tu sais que t'as du chocolat plein ton cul là. Mais... Bah, bah, c'est bien fait, karma. Comment... ça. Le karma. Le karma. Et s'il y a des mamans qui passent par là, je dois le mettre à... Oh non. Oh non, mes cheveux. Oh mais je les ai lavés tout à l'heure. Regardez juste l'état de cet appart. C'est honteux. Bon les amis, il est actuellement 3h43 du matin. On a fini le gâteau, c'était le gâteau le plus long du monde. Là vous voyez mes boutons. J'ai un de ces boutons rouges sur le nez. J'en peux plus. Si vous avez des méthodes pour faire partir les boutons, je suis preneuse. Parce que, oula, oula, j'étais pas prête à cet after. Le gâteau il est là, il ressemble à ça. Franchement là ça se voit pas, mais il est bien dur. Il est dur. Pourquoi il est dur? Pourtant je vous jure, j'ai planté le couteau, il était encore fondant après. Quand je l'ai sorti, il est dur. C'est du béton. C'est comme les gels là, quand ils mettent les cheveux contre un mur et qu'ils rayent le mur. Bon, en tout cas, on s'est bien amusé. On espère que ce petit moment avec nous vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos avec Loris sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Loris, t'as un truc à rajouter? Bonne nuit, bonne nuit. Fais le bonne nuit en ASMR. Fais le bonne nuit en ASMR. Bonne nuit. Et tu sais que t'as encore ta voiture en bas de chez moi? Faut que tu la déplaces. Bonne nuit. Ça fait combien de jours que t'as arrêté McDo du coup? Depuis début novembre. Attends. C'est bien. Tu fais du mental. C'est vrai, j'ai un mental qui est puissant. Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Bon allez, bonne nuit. Oh putain, comme il est bon. Eh, c'est ta mère qui paye EDF. Je vais le dire toi.